Bonjour YouTube, il est 17h59, on vient de lancer le jeu, j'ai pas joué depuis 22 jours je pense, je sais pas. En tout cas j'ai pas stream depuis un petit moment le jeu puisque j'étais malade ce week-end. Du coup forcément, on a une petite pause de stream, mais on reprend bien sûr la folie avec ce chargement qui dure pas longtemps du tout. Et on kiffe, merci hein, le jeu vidéo Nintendo. Eh ben c'était, fallait pas être pressé. On a 3 tickets donc on pourra faire le grand prix. On va juste lancer une petite course de chauffe avant pour se mettre dedans. Une ou deux, on verra. On fera le grand prix à la fin. Bon, là, ça va être une course plutôt facile vu qu'il n'y aura pas beaucoup de joueurs, vu que tout le monde va faire le grand prix. Mais bon, ça ira. Normalement, plus personne ne devrait rejoindre là en fait. Donc là, on va attendre 20 secondes. On va faire la course à 19, quoi. On va faire la course à 18, même. Et c'est pas grave. En vrai, tranquille. Ça ne peut pas remplir, hein. Plus personne ne peut rejoindre, donc on va être 18 joueurs là. Si on fait pas top 18, attention. Attention si on fait pas top 18, hein. C'est comment on tourne la voiture? Allez, le Will Goose bien sûr, vous connaissez. Comment il fait tourner la voiture en boucle, la Fisher Han? Moi je sais pas faire ça. Bon, c'est juste du training de chauffe, il y a pas beaucoup de joueurs. On est 18, hein. Les autres c'est des IA. Donc c'est pas très important, le but c'est qu'on roule juste pour se rappeler un peu, pour se mettre dans le mood. Ah oui, par contre on rigole pas trop sur le niveau quoi, même en... Ok. Y'a pas de soucis. Hein. Moi je comprends, hein. Farmer les top 1 en allant en fin de chrono, c'est je pense l'idée la plus optimale que vous puissiez faire. Il faut profiter des occasions. Il y a un peu moins de joueurs qu'avant. Après on attend, je pense d'ici une ou deux semaines, la dernière coupe. Même si moi ce que j'attends c'est aussi le DLC de Mario Kart. Il devrait normalement arriver incessamment sous peu. Hein. On l'attend bien sûr, ça booste. Le boost va à la même vitesse hein, sur les deux, toutes les voitures. On va rebooster un petit coup ici. Dommage ça. Un peu dommage. Ok, bon, on va booster manuellement, pas le choix. Le but c'est de récupérer les boosts hein, au jaune, c'est plus puissant qu'un boost manuel. Et en prime tu gaspilles pas d'énergie. Quitte à se prendre un mur sur cette map, hein, vraiment c'est trop important. Bon, j'ai perdu tellement de speed là. Dans la terre, mais bon j'avais pas le choix, c'était ça ou la voiture grise. Je l'ai pas eu. Un peu dommage. J'ai perdu beaucoup de speed, bon, on va récupérer ici. Bon après c'est logique qu'on fasse un top 20 minimum hein, vu que on est quand même sur une game avec beaucoup d'IA. Donc il faut quand même faire un bon score si on veut s'assurer un certain résultat face à nos rivaux. Bon, une voiture qui a explosé devant. Bon là on est un peu dans une mauvaise situation en vrai, on est fumant. Mais on arrive à avoir le boost là, c'est pas mal. Moi, regarde, j'ai lâché beaucoup l'accélération aussi. Hein. Je vais pas se précipiter. Hop. On décroise la voiture rouge qui fait un peu flipper. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs. Les IA ont l'air quand même beaucoup plus. Plus lent. Bon, on n'aura pas de roue de piste aux étoiles, bien sûr. Hein. Du coup, c'est pas forcément un bon training. Je pense qu'on ira faire une course classique avant le Grand Prix. Ok. Bizarre. Yes. Bon, on fera 6, hein. Bien sûr. Oh, c'est bien d'en trouver un KO. C'est clean. Bon, par contre, je crois qu'il y a deux rivaux devant nous. Même pas, non, un seul. Ça va. Ça va. On est bientôt à 5, hein, au final. Regardez, on a... Le truc, c'est comme c'est des IA, vous voyez, derrière. Bon, on les entend pas trop, quoi. Ah si, on les attend quand même. On pense fort à eux, bien sûr. Allez, ça fait un ticket. On va se faire une course classique, après on partira en Grand Prix Cavalier, messieurs, dames. Mais là, faut se mettre dans le mood d'abord. Ok, la room pleine. La room pleine, instant. Et on est parti, messieurs, dames. Let's go. J'espère que vous allez bien, en tout cas, messieurs, dames.
Vous êtes bien installé pour cette petite session S0 qui fait plaisir. J'ai lancé un peu tard par rapport à d'habitude, j'en suis désolé. J'ai fini un peu tard, enfin, j'ai pas fini tard le boulot, je me suis levé tard ce matin, enfin c'est tard. Je me suis rendormi après le réveil, du coup je suis allé un peu plus tard au taf, donc je suis rentré un peu plus tard. Plus le temps de me poser un petit peu en rentrant. J'ai dit bon, je lance à 18h, ou jusqu'à 20, 21h, on verra. On finira un peu plus tard, c'est pas grave. On va essayer de se faire deux grands prix, ça serait bien. Au moins le grand prix Cavalera, le grand prix derrière Queen. Pour la VOD YouTube, on divise peut-être en deux. On verra mon cher YouTube. Peut-être t'auras 2h30 avec de la chance. Hein. Ça va dépendre des événements. On s'adaptera. Allez, on va essayer de rester un peu devant. Dans le top 5, c'est pas mal. Dans le top 10, c'est... En fait, j'ai mis entre 10 et 20ème place. C'est les places où je me sens plutôt à l'aise. On a une bonne speed, on est à 460. On récupère un petit peu l'énergie, on est 16ème, on se fait dépasser par les gens qui ont eu l'ulti, hein, bien sûr, qui est sorti. Yes, on a eu le chaos, c'est bien, ça en prend. Ça fait de l'énergie en plus, hein. Même si on n'est pas en Grand Prix. Et on va l'activer maintenant. Comme ça, derrière, potentiellement, on pourra... J'étais pas sûr que ça relâche, là. Je pensais que ça relâche après le virage. Avec un peu de chance, on pourra récupérer au tour 4, mais je pense pas. Qu'on arrivera au tour 4. Avec de l'énergie, sauf si on se fait pas mal dépasser ou qu'on fait des erreurs. Mais je ne pense pas que ça... Ça tiendra. Faut pas gaspiller trop de boost non plus. Voilà. Magnifique. J'espère que c'est pas moi qui ai touché. J'ai pas vu mon bordel. Bon, là par contre, c'est dommage. On va perdre quelques petites places. On est dans le top 10 même. Voilà. Oula, on va perdre le top 20 même. Le mec a pété. C'est trop loin pour moi pour aller le chercher. On est au dernier tour. On va recharger un peu les boules. Mais je pense qu'on l'aura peut-être à la fin du tour. Donc, du coup, on va essayer du boost pour avancer un petit peu. C'est un peu tôt d'ailleurs le boost, parce que j'aurais peut-être pu... Oh, je l'ai pas eu. Oh, j'espérais l'avoir, le mec est en train de mourir. Du coup, je me suis mis dans la merde, alors que je l'ai pas eu. Ah, j'ai appuyé sur... Je finissais la course avec ça. Ah, dommage. Oh, c'est triste. Dommage. Hop. J'ai deux rivaux qui sont morts. L'autre, il est mort juste après moi. Allez, mesdames et messieurs, on va lancer le Grand Prix. Bien entendu, le moment que vous attendez tous. On va lancer à 2,40. C'est bien 2,40. Allez. Let's go. On est parti. Le premier Grand Prix dès le début de cette VOD. Hein. Dès le début de cela, on n'est pas trop chaud, hein, comme on a vu. Des pas terribles les deux courses qu'on vient de faire. On va voir un peu comment ça se passe. Ce serait bien de réussir à performer, on va dire, sur cette coupe. Sweet. Allez, la coupe cavalier, vous la connaissez. Avec un silence qu'on maîtrise pas trop, vu qu'on... En fait, vu qu'on peut jamais la jouer, c'est complexe. Un peu complexe, même. Allez, let's go, c'est parti. Sweet. C'est vrai que mon t-shirt, on dirait que je suis invisible un peu. On voit la route à travers mon t-shirt. C'est flippant. Je crois que c'est la gestion d'NVIDIA avec les fonds. Il met du noir pour le fond, du coup. Avec un t-shirt noir, ça se confond un petit peu. Allez, let's go. On est parti. On est loin, on a fait un départ catastrophique par contre. On va booster un petit peu pour avancer. Mon objectif c'est au moins dans le top 50 quoi, parce que sinon... enfin... Faire un début dans le top, parce que sinon on est dans la merde quoi. On devrait vite débloquer la zone, on va l'activer instant. Enfin, après les stands. Parce que sinon on se soigne moins. On va l'activer là. Comme c'est qu'elle est un peu large celle-là. Objectif c'est dans le top 30, se poser, il dure très court parce qu'on est proche du premier. En vrai,
Donc on m'avait dit normalement apparemment c'est que la distance avec le premier qui est pris en compte pour la durée du... de la route Sky Road, la route du ciel. Je sais pas comment on dit en français. J'ai une deuxième en tour 3. Ok. Merde. Je pensais que j'avais eu l'ulti. J'ai un peu gaspillé mon boost. Bon, c'est pas mal, on est revenu dans le top 10. Oh, il s'est éclaté contre le mur tout seul. Bon, rigolo. Moi, rigolo. Bon, on va faire une course de merde. Hein. Désolé. Là, il y aura pas de perf sur ce Mute City. Messieurs, dames. Sauf si je trouve un kill. Il n'y aura pas de kill, malheureusement, je pense. C'est plus moi qui risque de me faire kill. Hein. En vrai. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai... y mourir. 22e quand même. Je m'attendais à un genre 40e, donc en vrai, je suis plutôt content. Je suis plutôt content de faire un 22 sur une course qui s'est mal passée avec un départ assez mauvais. Attention, je vais tousser. J'ai en fait depuis la crew, j'ai le nez qui commence à couler. Dimanche, j'étais malade comme un rat mort, donc j'ai commencé à faire le tournoi de Ponce un peu hors stream, ça a pas tenu, je dis non, j'arrête en plein milieu. J'étais pas très bien, j'étais pas en forme. Lundi, je me suis reposé aussi un petit peu, je me suis monté télétravailler avec le taf. Mardi, bon, j'ai streamé hier le F1. Là, ça commence à passer, mais je sens que j'ai encore la gorge un peu pleine. C'est le seul truc qui me reste, mais... à part ça... ça va. Mais ouais, faut que je fasse gaffe. Allez, let's go. Est-ce qu'on peut remonter? 22e, ça va, c'est pas catastrophique. Compliqué d'aller chercher une victoire sur le Grand Prix, mais c'est pas catastrophique. Da-da. 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 Ok. On est sur Big Blue, encore une map qui peut être assez décisive. Un peu comme New City, où il faut du... la force de frappe, quoi. Si t'arrives pas à t'imposer, ça peut très vite le bordel. Ce qui est un peu mieux au niveau du départ par rapport à ce que j'ai fait sur... juste avant sur New City, c'est que je suis devant. Ça veut dire qu'on aura qu'une seule Skyrod. Je devrais l'avoir quand même la Skyrod. Allez, je vous avais dit que j'avais la gorge pleine. Tiens, on va mettre un peu de boost. Même pour rester devant. Ah, peut-être que je le retourne 3. Bon, je sais pas trop. J'aurais aimé l'avoir tour 4, mais... donc je suis devant comme ça, quoi. Oh, ah, c'est dommage ça. Ok. J'ai perdu beaucoup de place d'un coup. Ça m'arrange pas trop. Allez, on va reprendre des places ici, 22e, 20e. Est-ce qu'on va jusqu'à l'épingle? Non. Bon, ça, j'ai retrouvé une place d'un coup. Ah, je l'ai loupé. J'ai voulu assurer les stands que aucun me pétait. Bon, la course va être pourrie, je pense. Malgré le bon départ, on va pas réussir à remonter, à part si j'ai un miracle de boule là que j'arrive à choper, mais... oh merde. Oh, c'est mort. Ouais. C'est mort. Ouf, oh là là, les points que je vais perdre. Oh. Allez, faut qu'on aille chercher le S5. Le S5 sur cette session, mesdames et messieurs. Ça va être le prochain objectif. On était pas chaud, j'aurais pas dû aller en Grand Prix. On savait que c'était pas une bonne idée de partir direct. On l'a tenté. Ça n'a point suffi. Et la gorge toujours pleine, bien sûr. La gorge qui nous régale, mesdames et messieurs, qui vous régale peut-être chez vous aussi. Allez, on est parti. Un petit mute 2. En vrai, ce sera la Ligue Dame, peut-être que ça se passera mieux sur une autre ligue, on verra. On verra les amis. En tous les cas, on est parti pour un petit peu de course tranquille. Yo, t'as tryhard le jeu. Non, ça va.
Je joue pas mal. Je peux pas dire tryhard parce que j'ai pas, non, je suis pas S20 ni rien, tu vois. Et j'ai pas tant de... Oui. Mais bon, on a déjà cassé tellement de voitures que... Je pense que j'ai cassé plus de voitures que j'ai fini de course. Hein. Comment ça va, Silver? Allez, un bon départ. On booste ici, on suit le peloton de tête. Super. Oh là, les pertes de place que j'ai pris. Tu gardes tes bébés, arrête, tu viens de débuter, c'était bébé, je suppose, donc... Moi, j'ai joué à 25 heures de jeu, maintenant. J'ai joué un petit peu, donc... Allez, on va se soigner un peu. Le but, c'est vraiment se retrouver devant, savoir où lancer tes routes Skyward. Une fois que tu commences à gérer tes ressources, ça va un peu mieux. Oh putain, je voulais pas me la prendre celle-là. Oh, je suis à 200, on va devoir booster. On est en fumée, mais ça va. He's ok. Bon, on fume plus. Bon, je suis loin. Ça va être encore une course chaotique. Et donc, c'est la fin de ma carrière. Hein. Autant la semaine passée, ça roulait. Oh putain, oh merde, j'ai boost. Oh là là. Fin du rêve, mesdames et messieurs. Je vois un mec à péter, je vais le prendre, mais... Non, on va rester dans le fond, malheureusement. Ce sera une course assez... chaotique. Non. Allez, let's go. Oh, ça va être dégueulasse, hein. Oh, ça va être ignoble. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. 45ème, 44ème. Oh là là. On sent que j'ai pas vu depuis 2-3 jours. Hein. Heureusement, je bats comme... Eh mais attends, je bats des S6, 7, 4. Et c'est quoi ces rooms que je me prends? Après, c'est New City, hein, mais bon, quand même. Quel enfer. N'hésite pas à essayer de lancer en même temps que moi si tu veux jouer dans le chat. Hein. D'ailleurs, si tous ceux dans le chat qui veulent jouer, si vous voulez lancer en même temps, n'hésitez pas à le faire. Normalement, c'est pas trop dur à choper si vous n'êtes pas trop de retard sur le live. Vu mon niveau, vous avez toutes vos chances de finir devant, je pense. Là, je... Est-ce qu'on serait pas en train de faire la pire session ever? C'est possible. C'est possible. On va refaire Mute City 2. Enfin, peut-être. On verra. Ce sera ça. En vrai, tu votes, mais t'as quand même peu de chances d'avoir un impact, à part c'est 50-49 et même là. Allez, on se refait Mute City 2, on voit ce qui se passe, on va essayer de faire mieux. Faut vraiment que j'arrête, je grille trop mon boost, là j'ai l'impression, je suis pas concentré. Après, j'ai quand la gorge, elle me fait mal. Horrible. Horrible histoire. Hein. Allez, let's go. On booste ici. On prend les stands. On est dans le top 10, c'est pas mal. Pas besoin de booster, j'ai une bonne vitesse. Très très bien ce qui vient de se passer là, c'est excellent. J'ai menti. Allez. Donnez-moi cette Skyrod là, on n'en parle plus. On remonte un petit peu parce que là, au secours! Oh, l'erreur nulle! C'est pas normal, hein. En fait, c'est là que je joue pas boost. Tu sais de pas boost, parce que tu peux le prendre sans boost, le cut. J'ai l'impression d'avoir un peu foiré. On devrait avoir encore une Skyrod hein, qui va se débloquer.
Après, c'est pas vraiment la main que je la voulais, mais on va faire avec. Et on va cut le rond-point. On va rattraper un petit peu de position. Hey, mais choking de ma room. Mais je crois l'avoir vu. Ok, j'ai pris le KO, je suis content. Ça m'assure un peu une certaine stabilité, on va dire. J'aurais pu avoir l'autre. Autant je meurs beaucoup, autant je suis solide sur mes KO là, j'ai l'impression aujourd'hui. Ah bah oui, je suis con, j'avais plus de spin. Ah mince. Oh non. Eh ben ça se passe bien. Ça se passe bien. En vrai de vrai. Je vous conseille YouTube de mater les autres VOD où on roule mieux, bien sûr. Là, un peu complexe. Un peu complexe, mais ne vous inquiétez pas, bien sûr. Ça peut que bien se passer. Merci beaucoup à Jerry Wilson, bien sûr. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Ça fait plaisir parce que même dans la médiocrité, vous me suivez. Et bah ça me touche un peu à au cœur parce que vraiment, ce que je vous propose là, c'est complètement dégueulasse. Ignoble. J'ai quasiment les mêmes rivaux. Allez, on finit la course. Allez, on se concentre. Allez, ensemble les gars, on se concentre, on se donne, on se focus. J'espère que ma gorge va arrêter de mourir aussi. Et on va se donner. On va se donner. Let's go. On est parti. Voici. Mais c'est quoi ces départs que je prends là? Il faut faire quelque chose. Hein. C'est pas normal que je perde autant de place au départ. Est-ce que le niveau il a explosé ou comment là? Ok. On l'active, c'est pas un problème. Ok, on est bien niveau énergie. On est troisième, merci. Ok, let's go. On a perdu des places, mais c'est pas très grave. Merci de me pousser. Ça me donne de la speed, ça fait plaisir. On récupère de l'énergie. On récupère les petites boules. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait la barre chargée au début du lap 4. Dommage. Il a bien visé l'autre. Là, ça va me paraître. Ça va arriver un peu tôt, j'ai l'impression. Ok. Bon, je l'aurais pas. On est 33ème, mais c'est pas grave. Regardez, on se recharge ici tranquillement. On a la Skyrod qui est prête. Ce qui n'est pas le cas des gens devant moi. Regardez. Et c'est maintenant que c'est parti, regardez. Les dépassements qui vont être faits. On repart dans le top. La top position peut-être pour El Piero. Attention à ça. Oh non. Quand t'as un contact, tu peux plus tourner la voiture. Il y a des gens qui sont morts après moi quoi. Il y a le mini prix qui arrive les amis. On se rattrapera au mini prix bien sûr. Oh mais qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas ce qu'on fait, mais on le fait. Hein. Oh les pires circuits quoi. Enfin,
son tour. J'ai envie de dire surtout... Et c'est toujours les mêmes gens que là. Surtout des swings, quoi. Allez, c'est maintenant. Les amis, c'est maintenant. J'aime, je me loupe, vous avez le droit de vous abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr. Pour donner de la force, du courage. Et me dire en commentaire comment vous trouvez mon gameplay. Est-ce que vous aimez ce genre de vidéo? Est-ce que vous aimez ce qui est proposé sur cette chaîne, j'ai envie de dire, hein. Ce contenu qualitatif. Ah bon. Allez, on a fait un bon départ, on a une bonne speed là. On est dans le top 10. On a perdu en speed, mais on l'a vite récupéré. Le truc, quand tu perds en speed, il y a deux solutions. Soit tu boostes, soit t'attends qu'un mec derrière te pousse. Et quand t'es dans le pack comme ça, tu peux te faire pousser assez facilement. Ouais, j'aurais trop de speed, je vais faire un boost même. Alors, je mets un bit bar, tranquille. Ok. Donc là, on va attendre pour aller faire shellcut. On l'aura pas. Non, on les aura pas. Ici, on attend l'atterrissage pour le faire. Et on y va. Et normalement, t'arrives jusqu'au virage. Voilà. Maintenant, c'est pas dit que j'arrive en avant en tour 4, quoi. L'objectif, c'est d'avoir une Skyrod, bien sûr, au tour 4. On va le circuit ici, quand même, hein. Après, on est quand même que 30ème, hein, faut faire gaffe. Ok, on va être bien, on va l'avoir, hein, notre Skyrod. On va l'avoir, notre Skyrod. Après, il y en a qui l'ont devant aussi, quoi. J'ai pas beaucoup d'énergie, donc on va attendre un petit peu. On va le faire à l'endroit prévu. Déjà ici. On va remonter un petit peu. On devrait faire top 10. On devrait faire 8ème, 7ème, 9ème. Dommage. Mais top 10. Top 10 donc mieux. C'est bon, on a repris du rythme. Enfin, on reprend du rythme, j'ai envie de dire. Let's go. Non, le début était pas bon. Là, le début était pas bon de ce qu'on proposait. Il fallait aussi se réveiller. On se réveille au bon moment, peut-être juste avant le mini-prix, mesdames et messieurs. Et on est parti pour enchaîner. Allez, Sun Ocean, on espère que les gens n'ont pas envie de voter une map circulaire et vont aller s'intéresser vers les maps culturelles. Regardez, Terni, puis Burrito, depuis tout à l'heure, on les a en rivaux depuis tout à l'heure. On est follow, hein, le streamhack, bien sûr. Évident. Évident. Non, c'est parti. On est par bien à gauche, donc on va les croiser, prendre le double jump. Dommage, j'ai un peu loupé là le chemin. Ce qu'il faut, c'est que je passe là dans l'endroit où il n'y a pas de terre pour perdre de speed. Sans le top 20 au départ, tout de même, ça va. C'est convenable. Donc on va booster là, vu la vitesse perdue. Après, on a une ligne droite, donc c'est tranquille. On se repositionner, voir où est-ce qu'on est. On est 9ème pour l'instant. Ah, ça c'est mauvais ce qu'on a fait. Ce virage là, il va être un peu douloureux. Ouais, on va boost. Hein. C'est toujours compliqué à choisir de booster là parce que. Là, mon énergie, je l'ai un peu fait chuter. Je l'aurai pas après. Mais en même temps, rester à 300, c'est pas non plus un rêve, quoi. Allez, on va activer directement. C'est peut-être trop tôt parce que là, il y a une droite que j'avais oubliée. Dommage. Ok, ça je prends la rampe.
Ok, c'était vraiment nul à chier comme KO, je l'ai mal géré. J'ai complètement oublié ma broust. J'ai juste boosté comme un débile. Je pense que j'aurais pas d'autre Kairod. Hein. Ou alors si on me dépasse un peu, mais... Ça me paraît complexe à imaginer en stop 9. Un bon virage, ça. Oh, il s'est fait mettre dans le mur. Ah, j'ai vu voiture rouge, je voulais la décroiser. Ok, on va booster là. Ouais. Donc la voiture bleue m'a bien saoulé. On est que à mid-bar au niveau de la Skyrod, c'est un peu chiant. Oh, si je peux réussir à me recharger là dans ce pack. Oh, si ce pack... A chaque contact, on rappelle des boules d'eau, hein. Donc s'ils peuvent continuer de se toucher là... Oh, mon rêve. Hein. Ah, je pense que c'est un rêve qu'on va garder seulement pour nous, par contre. J'ai forcé pour qu'il le mec et c'est moi qui suis mort. Je me fatigue! Mon rank a plus baissé que monté! N'en peut plus. Il y a le mini prix, mesdames et messieurs. Mais vu comment on conduit. Non. Si on finit pas de course, on lance pas le mini prix. Vous pouvez pas me laisser faire ça. On peut pas me laisser faire ça, les amis. Il faut vraiment que. On prouve notre mérite. Là, on finit pas de course. On ne finit pas de course. C'est pas possible. J'ai fait 11 VOD de F0 sur YouTube. Et on va arriver à 40, hein. Après, je les poste toutes, parce que je fais pas forcément sur tous les jeux. Imagine, j'aurais fait toutes les sessions Smash, toutes les arènes, j'aurais mis en VOD. Le nombre de VOD que j'aurais eu de Smash. Incroyable. Dans la carte, moins, quand même. Après, il y a quand même le tournoi des fleurs, mais... Vu que je compte pas en nombre de VOD, c'est différent. Donnez-moi de la speed! C'est moi qui lui fais de la speed, je pense. Ok. On est 13ème. On est 13ème, nous partons hein, pour un Mute City. Allez, on va partir devant. Il faut, c'est pour prendre ce virage sans perte de vitesse, quoi. Il y a trop de vitesse, là. Faut que j'apprenne à prendre. Faut pas devoir booster à chaque fois en sortie. Et le Sofiane, il est chaud, hein, il est top 10. La Skyrod de près. Il se fait pas mal là, il se fait pas mal le Sofiane. Ce qui n'est pas pour m'arranger. Dommage, il y a un mec en fumée et moi de le choper. On l'aura pas malheureusement. Dommage. On est parti. Et on repart dans le top 10. Mais bon, top 10 quand même assez lointain. Puisque nous sommes 8ème à une belle distance du premier. On a déjà utilisé la Skyrod, donc déjà on va arriver derrière avec la Skyrod. Ça passe pas ça. Bon merci à toi. Tu me régales de ouf toi. Ah, je l'ai pas eu. Oh, quelle tristesse. Quelle tristesse, j'ai voulu... Encore une fois, j'ai voulu viser le mec qui mourait. Au moins, fini la course. Mais je m'entraîne à qui, là. On a pris... J'avais un S plus en rival. Allez, on va aller en grand prix. En mini prix. Plus précisément, si vous voulez rejoindre le mini prix, n'hésitez pas. C'est maintenant, messieurs, dames. Et à YouTube, hein, si vous jouez au jeu. De manière globale, n'hésitez pas à venir sur Twitch avec nous. On pourrait faire des courses ensemble, rigoler, s'amuser. On lance à 5,50. Allez, 5,50, je vous le fais. Emballé, c'est pesé, messieurs, dames. On est parti pour le mini prix. Allez, let's go. Vous avez le temps de rejoindre. Installez-vous.
voter, éliminer bien sûr le maillon faible, messieurs, dames. Et on est parti. Ah, j'ai hâte, dans 9 jours, Mario Wonder qui sort, messieurs, dames, ça va être incroyable. Là, le fin octobre, on va bien se régaler, je pense. Hein. Voilà, si vous aimez Smash, rip. Mais sinon, on va bien se régaler. Big Blue, Red Canyon, Whiteland, ça va. Faut juste pas se foirer sur Big Blue. C'est facile à faire, parce que Big Blue, c'est une map où... Oh, y'a Fab. Et y'a Teru avec des espaces, apparemment. Il est pas bien centré, hein, tout ça. Je dénonce, bien sûr. On est cheapard, les amis. Le mini-prix, c'est maintenant. Zibili. Let's go. Un bon départ. On va pas chercher à booster trop. On va juste booster ici parce que c'est l'endroit naturel de boost de la map. On va même pas. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Merci. Merci pour la poussette. Ok. On n'a pas besoin de booster, on est bien. On récupère des petites boules, on est à mid-bar. Potentiellement fin lap 2, début lap 3, on a le. La Skyrod. Bon, lui, la Skyrod, il est bien. Hein. On va trouver un petit kill. On va le faire maintenant. Comme ça, avec de la chance, on pourrait avoir top, top 4. Ah, bah, peut-être pas vu qu'on est en tête. C'est pas prévu ça. Bon, bah. Oubliez ce que j'ai dit. Hein. Parce que nous sommes partis, messieurs, dames, pour une course contre moi-même. Bon, très bien. Bon, bah, c'est pas grave. On aura pas de Skyrod en plus. Hein. Ah, mais il y a que des rivaux devant. Un peu changé. Oh là là, oh là là. Attention à mon énergie. On gaspille pas. On accepte. On accepte, messieurs, dames. On accepte ce qui nous arrive. On est top 12. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Attends, toi. J'aurais pas de kill. Il faut l'accepter aussi. Après, si tu vois un mec en fumée, on réfléchit à la question. Oh là là. Oh là là. J'ai pas eu. Oh, dommage. On accepte. On booste. Treizième, c'est bien, hein. Ouh. Ouh là là. Ouh. Ouh. Ouf, comme dirait Mario. Let's go. Un peu une arnaque. Hein. On peut appeler ça une arnaque dans le milieu. Moi, j'appelle ça une réussite, mais... Eh, c'est au choix. Zbélébé. Allez, let's go. On n'est pas très loin, on est 13ème. Il y a moyen de remonter encore. Peut-être pas de gagner. Ça va dépendre des gros joueurs. Mais il y a des A, il y a un S19. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est incroyable, ça. Est-ce que la roue était bas niveau? Je ne sais pas. Red Canyon, mesdames et messieurs. Une route qui se croise. Attention au départ. Donc là, on va faire forcément droite, double boost. Après, vous voyez la musique, on danse maintenant. Dommage, là j'ai perdu un peu de vitesse. Mais on est quand même 6ème, donc ça va. Je prends. On booste là. Je l'ai risqué, mais j'étais pas sûr à 100% de mon cut. Hein. Je l'ai pas trop. Enfin, je l'ai un peu safeisé, mais je l'ai un peu fait quand même, tu vois. Je sais pas si on aura une Skyrod sur cette course. On est pas dans le pack.
Donc il n'y a pas forcément beaucoup de boules qui tombent. C'est ça que je voulais faire, c'est l'autre. On est perdu des places. Par contre là il y a un pack qui va être devant nous. Au lab 3 on risque d'avoir des bouboules qui vont tomber mesdames et messieurs. Loupé. J'ai fait un peu l'animal hein. Ok, on est parti. Et si on cut, on passe dans le top 10. Cinquième. Cinquième, let's go. Bonne course. On doit le faire un peu mieux, mais... ça va. On a bien assuré. Et on bat tous les rivaux. Et ça, c'est très très lourd pour le classement. Messieurs, dames. Bili, pipi. Il y en a qui ont pas encore fini la course. Bien entendu. Et tout le monde a fini la course, c'est bon. On ne sait plus que 60 pour la dernière course, messieurs, dames. Doudou. Allez, on va. Le classement général qui va s'afficher. On a fait mieux que tout le monde autour. Et oui, largement, on finit 5ème général pour l'instant. Alors, Stalfos semble intouchable, dit Docteur Nod aussi. Mais à Tyler, c'est à 1 point. Le top 3 peut-être sur ce mini prix, messieurs, dames. Et pourquoi pas mieux si jamais les mecs devant se plantent. Rien n'est joué. Installez-vous, mesdames et messieurs. On a un nouveau SB Kirio. Dans nos rivaux qu'on a depuis le début. Est-ce qu'on peut aller le battre? Sur Whiteland, mesdames et messieurs. Il y a des cuts, il y a des stratégies à utiliser ici. On est parti. Ok, on est parti. On n'a pas fait un départ de fou. On n'a pas été trop poussé un petit peu là. Ça fait du bien quand même. Ok, let's go. C'est pas mal. Avec un peu de chance, on a une position, on se fera un peu dépasser. On récupérera les boules pour... Ouais, pas ouf. Oula. J'ai failli mourir. Ça aurait été malheureux. Hein. Le truc chargé là, étant dans le top 10. Oh, c'est bien ça. Oh, Coden qui se met vraiment bien. Il va pas, il va cutter, hein, il va juste cutter. Ah non, il a été le chercher là, le cut. Il a fait un peu différemment. Alors, je connais pas c'est quoi, hein. J'ai pas fait d'analyse des routes. Moi, je fais celle que j'ai d'habitude. Franchement, on est un moyen d'avoir une Skyrod. Une Skyrod Lap 4, je pense. Bien joué ça. Oh là là, oui. Ah oh bah je lui aurai l'argent moi Skyrod là. Vu ce qui se passe. Oh on n'aura pas une bonne position c'est sûr. Ouf il s'est fait défoncer le gris. Ouais faut encore que je finisse la course là c'est pas sûr non plus. Mais non c'est est-ce que je garde jusqu'au tour 4 ou est-ce que je fais maintenant tu vois. Non. J'ai pris le coup ça m'a énervé. En fait je pouvais, c'était pas rentable d'aller jusqu'au cut je pense. Tant pis, on fera une perf moyenne pour la dernière course. On va dire c'était ok comme... comme choix. Là, Tyler. Tyler qui s'est mis à glitcher sur la route. Je peux le choper. Bon, ça va. Un peu agressif, on fera dixième mesdames et messieurs. Est-ce qu'on bat des rivaux? Juste ce Kirio, un Kirio toujours devant nous, mais on bat un S11. On monte, on n'est pas encore S5, on est revenu un peu au point où on était avant. Kirio qui va faire une belle course, Kenny aussi hein, qui va devant nous, Docteur Note devant nous, Stralfos devant nous. On sera 5ème au mieux, voire 6ème. Je pense qu'on sera 5ème en général. On verra.
Sixième, ouais. Ok. Ok, le classement général. 272 points. Un point de Boshi quand même. Hein. On a eu chaud. Kenny pas très loin devant nous. Qui a fait une première place. Il a bien mis. Bravo à tous. Ah, c'était pas mal. C'était mieux. C'était mieux déjà. Allez. On a failli grid un peu hein, sur Whiteland. Je vais mettre un peu de lumière. Hop là. Allez, on va se faire un petit peu à nouveau des petites courses avant le prochain mini prix, mesdames et messieurs. Alors, on a un quart d'heure avant le prochain mini prix. Peut-être j'irai faire des courses pro aussi un petit peu, on verra. Ah, Porton. C'est vrai que je m'entraîne au cut de Porton. On pourrait aller faire ça après. Essayer d'apprendre le cut. Je sais pas s'il faut boost ou pas au last cut. En gros, tu peux aller sur la piste de droite avec le premier saut, mais il faut de l'énergie pour que ce soit rentable, quoi. J'ai vu un mec faire une Skyrod. Oh, ouais, c'était trop bien. Ça veut dire que tu peux le faire sans boost, peut-être. À tester. On ira le tester après. Ok. Ça, c'est un peu dommage ce qui vient de se passer. Ça risque d'être une course de fond. Une course de Skyrod. Ok. C'est pas grave. Hein. Tranquille. On va essayer de rester un peu derrière le pack pour une fois. On va quand même boost ici parce qu'on n'est pas des animaux, mais voilà. On revient un peu dans le top 50. Après, vous savez, moi j'ai pas de problème avec la course dans le front. Je suis habitué à rouler dans le front. Mais attends, il y a des kills à prendre dans le front. Par contre, les gens ils font plus n'importe quoi. Dommage, j'ai pas eu le kill sur l'autre mec. Et on cut ici. Et on va repasser devant un petit peu dans le top 10 peut-être. Et pas un du top 10. Même dans le top 10, apparemment. Bah plus maintenant. Voilà, c'est réglé. Fin de l'histoire. Après c'est pas un problème. Mon but là ça va être de récupérer une Skyrod pour le. J'ai pas eu. De récupérer une Skyrod pour le dernier tour. Donc là on va être un peu à l'économie. Je pense pas l'avoir si tôt. Ok. On va quand même le faire au cut. 45ème, c'est pas grave. J'ai deux rivaux qui sont déjà morts. C'est pas mal. Pour les chiffres. Hop. On est parti. Le cut sorti. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au virage? Oui. Oui, monsieur. Donc on remonte, hein, au classement tout doucement. Non. Dommage. Oh bah deux quand même. Dommage. Mais oh non, j'avais le top 3. J'ai fait un peu trop tôt mon boost et j'aurais pas dû spin. Mais bon, c'est ok. Je suis quand même content, j'ai battu deux rivaux. Donc ça me va. Vas-y, on va tester un peu le cut de Porton. Je vais voir si on peut le faire sans boost ou pas. Le problème c'est que là j'ai pas de vitesse au départ. Donc je suis obligé de le faire avec un boost. On va tester avec boost déjà. Ok. Faut mieux prendre l'angle je pense. J'ai pas besoin d'aller à droite au départ, j'ai foutu. Ok. On va finir la run juste pour comparer.
Ouais, ça va, c'est pas dur. Il faudrait que j'aille moins loin, par contre, au niveau du... Là, il faut que je bouge. Si je bouge, c'est trop long, faut accélérer. Attends, Golden Fox, c'est plus rentable, par contre. Faut que j'aille plus à droite, peut-être. Ouais, mais ouais, ça fait rouge. Moi je reste en speed. Hein. Ah c'est un training. Moi je m'entraîne la map aussi. Hein. Ok. Bon là ça va être chaud de le prendre nous si je vais me recharger en énergie. Mais ok. Ah si je vais là. Ah, il y en a beaucoup plus loin, ok. Donc faut pas aller tout là-bas, ça sert à rien. Ça ramène trop loin. Non, faut que je finisse la run. Tu sais qu'on peut encore boost quand on a énergie vide. Allez. Qu'est-ce qu'il y a, Ulciran? On traîne le cut. Je veux comparer le cut avec le chemin normal, le temps qu'on gagne. C'est quoi le cut? Gacha. Est-ce que j'ai mon ghost activé? Attends, j'ai pas mon ghost activé? Je vais mettre mon ghost. Fantôme. Qui est mon fantôme? Mon fantôme il s'active pas. Ok, mon fantôme. Pas à droite. Hop. Hop. Il réapparaît là. Ah oh ouais, ça fait gagner un temps de fou hein! Vous avez vu? Après j'ai fait un boost de plus. Donc faut que je fasse un boost de plus mais c'est bien une demi-seconde hein. Ok. Je vais le retrain vite fait. Mais ok. C'est fort. C'est très très fort j'ai l'impression. Est-ce que tu peux le faire sans boost? Par contre c'est ça qu'il faut tester. Je voulais tester. Vas-y. Ouais, c'est fort. C'est très très fort comme boost, comme cut j'ai l'impression. On va essayer de faire sans boost. Booster là juste pour avoir la vitesse max. Je vais voir si on peut le faire sans boost. Oh oui. D'accord, largement. Largement. Donc du coup, si t'as une Skyrod... Oh incroyable. C'est easy en fait. C'est pas très dur à choper. Mais faut le faire hein. Parce que l'autre jour j'ai joué en game, il y avait genre 3 mecs qui le faisaient. Genre ça va être obligatoire ce cut au bout d'un moment. Alors tu peux peut-être pas le faire 4 fois parce que ça te prend du boost quand même. Mais c'est trop fort. Il faut le faire je pense hein. Après c'était pas évident en course. Mais c'est trop trop fort. Bon du coup on verra s'il sort, on essaiera de le faire. Portant ne sort pas souvent comme map donc mais si on avait un petit portant on essaiera de le sortir en course. Du coup ça marche sur Portant 2 aussi hein, en toute logique. J'ai envie de tester d'aller là-bas et d'activer direct la Skytrack. Mais j'ai peur que le jeu me ramène en arrière. Il aime pas trop la blague. En soi je m'en fous, faut le tester une fois. Si on veut savoir. Donc je pense qu'on testera à l'occasion si on a un Skytrack et qu'on peut cut en même temps. Ça peut être stylé. Ça peut être très très stylé. Et le jeu, effectivement, voudra te ramener en arrière. J'ai le bouton presque chargé là. Du coup j'ai pas le choix de booster maintenant.
Pas mal. Boudou boudou. Je suis que 24ème, c'est un peu décevant. Allez, on y va maintenant. Je le fais un peu tôt. Objectif, c'est en avoir un au tour 4. Alors, vu où je tombe, c'est pas sûr que j'arrive à en avoir un, mais on verra. Pousse-moi. Ok. Lap 3. On est tire-barre déjà. Donc pourquoi pas. Le Golden Fox vert devant, il gaspille beaucoup d'énergie. Dommage, je l'ai pas eu. En plein sur la tête. Et j'aurai la Skycrack encore. Let's go. Allez go. Je fais un peu de tôt, mais c'est pas grave. Le but c'est d'essayer de rom... Ah dommage. J'espérais récupérer au moins ce boost quoi. On a pas... Ouais. Bah écoute, c'est égal, c'est perdu. Hein. On va finir la course juste pour la finir. Ok, bon, merci. C'est gentil de t'être suicidé sur moi. Incroyable. Et on bat deux rivaux, donc c'est bien. Moi j'avais un S13 en rival, what the fuck. Non, je suis en 2 minutes et je suis à peine 20ème et quelques. Quoi. C'est un step up hein, le niveau. Allez, circuit pro. Je suis juste dans la porte-tonne comme ça. Allez, porte-tonne s'il te plaît. J'aimerais vraiment tester le cut en course. Qui es-tu? Pourquoi tu nous détestes? Oh, c'est détestable. Tout pour faire Deathwing, ça aurait été Whiteland encore. Non. Pas Deathwing. C'est honteux. Mon départ est pas faramineux. On va booster pour aller un peu devant. C'est pas une map à Skyrod hein, celle-là donc. Bon, c'est pas une map à Pyro non plus. Hein. Après. Voilà, très bien. On a perdu tellement de place. On va booster ici parce que la loi nous dit de le faire, mais voilà. On va le faire. Facilitons un peu le chemin. Remonte. Ouais, le temps qu'on gagne pas. Regardez les places. Elles montent pas. Hein. J'ai gagné même pas 10 places alors que j'ai fait une distance assez folle quand même. On est quand même top 10 presque. Il reste 2 tours. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on pourrait recharger notre énergie? Il n'y a pas vraiment de gros pack devant quoi. C'est un peu dommage. Ah non. Non, je l'ai pas eu. Ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant. Le remonter là, ça va pas être. Ça va pas être une sauce facile, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que j'ai pas croisé la voiture que j'adorais? Vu la distance qu'on a avec le premier, on pourra avoir la voiture, quoi. La voiture balai! Elle est où? La voiture pour les nuls? Non? Tant pis. Oh dommage. Comment ça j'ai pas eu le boom? Il était enfumé le mec. Ah bah j'ai spin pourtant mais okay, j'ai fait trop tard. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pété. Eh. C'est pas genre. Mais la Golden Car, elle apparaît loin sur cette map. Il est quelle heure? 18h59, une petite DR avant le mini-prix.
J'ai rien à voir Porton pour tester le cut vraiment en course, quoi. Bon, après, on va se foirer. Hein. Mais, on veut faire des expériences. Moi, je pense que si j'active la Skyrod avant que le TP me ramène, ça va me ramener au départ. De toute façon, on saura pas. Puisque on n'aura pas la map. Moi, je vais faire des expériences. Mais non, mais pourquoi Deathwind 2, les amis? Pourquoi? Pourquoi tant de haine? On ne sait pas. La course après ça du mini prix, mesdames et messieurs, si vous voulez rejoindre le mini prix. Préparez-vous, ne relancez pas de course de votre côté. Si vous voulez avoir le temps qu'on rejoigne la même, bien entendu. Et après, YouTube sera la fin de la VOD. Est-ce que tu penses? On finira sur une performance de fou hein, sur ce mini prix. Je t'invite à ne pas regarder le temps restant sur la vidéo, bien sûr, si tu le fais. Risque, risque potentiel, bien entendu, de te perdre et de savoir à l'avance des choses. Si tu l'as déjà fait, bah désolé. Hein. En tout cas, on aura appris à exploser et un nouveau cut. On aura appris à réaliser le cut. Ça, c'est plutôt cool, je pense. Bon, bah, c'est parti, hein. C'est parti. Bon bah let's go, moi j'y vais. Hein. Moi il y a une Skyrod ici, j'ai pas trop emplacement. Pardon. Bon on est bien niveau boost. On a activé un super. Par contre il est bien le joueur japonais devant nous. Avec sa Skyrod pour le tour 3. Il fait que le tour 3 hein, techniquement. Ah, on a pas eu le boost, j'ai pas gaspillé un boost pour ça. Ok, dernier tour bientôt. On est 24ème. Il n'y a pas de gros pack malheureusement devant nous. Donc il n'y a pas beaucoup de contact possible. On va essayer de rester derrière les gens quand même pour récupérer ce qui peut potentiellement tomber. Ok. Ok. Là, je prends. Dommage. Let's go. On est un peu plus rapide. Est-ce qu'on fait un top 10? Oui. Let's go. Quoi? Qui m'a dépassé? C'est honteux. Je suis outré. Toi, End the Legend qui a mis 300ème. Bien joué à toi. Tout, tout. Allez, mini prix, les amis. Installez-vous confortablement. On lance à 6,45. Le prochain mini prix. Tout, tout. C'est parti. Est-ce qu'on va monter à 5 durant ce mini prix, mesdames et messieurs? Peut-être. Peut-être, peut-être. En tout cas, c'est parti. End the Legend avec son top 1 qui nous a battu juste avant. Et dans la room, bien sûr. Comment ils font ceux qui font tourner à l'infini leur voiture? Ah putain, c'est comme ça. Ils changent de bagnole en fait. Ok, j'ai la ref. Allez, let's go! Est-ce qu'on a un petit Porton là pour nous faire plaisir? Comme ça, on sacrifie bien notre mini-prix, je pense, c'est cool. Si jamais le mini-prix se passe pas, on testera la Skytrack dans le cut. Pour rigoler, hein, bien sûr. Ça se passe bien, par contre, possible que non. Oh, possible qu'on fasse le cut quand même, hein, de manière traditionnelle. Bien sûr.
Let's go. Ok, le départ est correct, on est dans le top 20. C'est plutôt cool. On est sur Big Blue, on rappelle. La Sky Road est très importante ici. Avec le cut qui se trouve ici d'ailleurs. Donc être dans le top 30 n'est pas dérangeant. À proprement parler. Ok, on a la Sky Road. On va pouvoir l'activer au cut du lab 2. Ce qui est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va potentiellement l'avoir pour le cut du lab 4. Dommage, j'ai pas eu le kill. Donc là, on va remonter un petit peu dans le top 10 peut-être. On reste bien à gauche, on va pas retomber ici. Hein. Un peu greedy celui-là. Allez, on recharge un petit peu la Skytrack. Si j'arrive à avoir la voiture balai ici en 20ème place, c'est pas bon signe. On perd des places là. J'ai pas eu, dommage. Ok, le bon point c'est qu'on a la Skytrack. Le moi mon point c'est qu'on est 60ème. Mais le bon point c'est que ça va durer plus longtemps. Et potentiellement on peut aller jusqu'au virage. Ça passe pas. Oh, ça passe pas. Ouais j'ai tant de vitesse. Moi oh, je suis 34ème d'ailleurs. Moi oh, c'est pas. 10... Comment ça 19? Moi je suis remonté. On sait que je bats au moins un rival. C'est déjà ça de prix. On descend pas. On va peut-être passer à S5 hein. Le S5 pendant le mini prix les amis. Il est mort celui que j'ai battu. Oh End the Legend qui s'est loupé. Quel dommage. Ah oui Adr. Dommage Adri. Zbili pri. On a qui en tête? On va voir un petit peu le classement devant. Bruno deuxième, Johnny Boy troisième et un joueur japonais mais sur premier. Je peux pas lire les pseudos japonais, hein, désolé, je sais pas lire. Red Canyon, mesdames et messieurs. Attention à Trevor, à moins qui performe. Let's go. Let's get up, up. Quel jeu de fou quand même, 0,99. Franchement, un des meilleurs jeux de la Switch, hein. Ça me fait de la peine. Multi, hein, je parle. On va pas parler de jeu solo. On va Smash, on a Mario Kart, d'accord. Il y a Splatoon qui est assez bien, aussi. Oh, ce cut, il était clean, hein. Il était très très clean, ce cut, hein. J'ai pas eu le kill. Est-ce que j'ai besoin de le claquer maintenant? Ou alors je le garderai pas pour le dernier tour. Non. On va bien le claquer maintenant. Oh dommage. Bon mon énergie c'est pas gratos finalement. Il va falloir faire un effort sur ce niveau là. Et ce dernier tour qui va être un petit peu chaotique. Dommage d'un dernier. J'ai offert le kill derrière. Non, 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 non. Pas de cut pour nous, messieurs dames. On n'ira pas le chercher, trop risqué. J'ai pris un risque sur ce boost, c'est pas obligatoire. 27, bon, bah, du coup, on va full cut Porton. Hein. On va full cut Porton, vu ce qui s'est passé. Tu bats 3 rivaux ?
What the fuck? On passe S5, non? On passe pas S5 du tout. On passe pas du tout S5. Les mecs ont fait de vente à l'heure sont plus là. Qu'est-ce qui s'est passé au classement? Les mecs ont pas fini? Bien joué à chat. Il s'est passé quoi au classement? On va avoir des folies. Hein. On va avoir des folies! Déjà, je perds que deux places, ok. Qui est en tête? Par exemple, le joueur japonais qui a fait un perfect, après c'est Ontej et Dave qui sont trop loin de moi à 30 points. Hein. Mais on va aller se tenter quand même une aventure exceptionnelle. Pourquoi pas? On va peut-être exploser. Hein. Peut-être qu'on va mourir. On va voir. Mais on le tente. On est là pour le beau jeu ou pas? On est là pour le beau jeu. Attention. Mesdames et messieurs, installez-vous. Soyez prêts à ce que vous allez voir. Car c'est peut-être pas tous les jours qu'on va tenter n'importe quoi comme ça. Mais il faut le forcer. Il faut forcer le destin des fois. Genre, je me mets derrière la Kaibashin de F0 pour aller me faire push. Il y a des meubles sur GamePost. Est-ce que je pourrais faire un cut, vous croyez là? Ah, j'ai gagné un peu de temps, je pense. Je pense qu'ils ont boost comme des porcs, en tout. C'était pas mal. Il y a un début, il y a un début quelque chose. C'est le jeu qu'on dirait que je passais en tête le départ. Alors que c'est pas vrai. Mais il est ok. Comme c'est qu'il faut qu'on reprenne de l'énergie, là. Oui. J'étais sûr. J'étais sûr qu'il allait me ramener. Bon. On est quasi sûr qu'il le fera. Hein. J'étais pas sur la route, de toute façon, fallait que j'active, mais. Alors. Ah, ça m'embête, non. On te gère, Coralie. Je passe. Oh, dommage. Bon. Je vais pas aller le chercher, j'ai pas la vitesse max. Oui, le son c'est chiant. Je vais me permettre. Hein. Allez, let's go. On va cutter les virages ici. Est-ce que je vais revenir assez tôt pour le cut? Je le tente le cut à la fin. On est comme ça. On est joueur ou pas? On est joueur. Je me rends pas compte du temps de gagner, mais je pense qu'on en gagne un petit peu quand même. Mais... C'est pas énorme quoi. Là si t'as la Skyrod et que tu l'actives pile poil. Oula. Merde. Ah c'est mort. J'ai mis clic le bouton. Ah. Je vous spoil mais c'est pas exprès. Non. Oh j'ai loupé là. J'ai loupé la voiture grise, je devrais la choper, je serais pas mort. Et on a réussi à faire le cut. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mon cher YouTube. On passe à 5 en plus. Voilà. Je pense qu'on t'a régalé. On a trouvé... On a appris un nouveau cut, du moins. Et ça, c'est plutôt plaisant. J'espère que t'as aimé cette VOD, mon cher YouTube. On est certes pas bon sur le mini-prix. Mais on a représenté. On a représenté, ça fait grave plaisir. J'espère que t'as kiffé, en tout cas. Cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si t'as kiffé, à pouce bleu. Si t'as appris aussi un nouveau cut, je te l'espère. En tout cas, nous, on l'a fait, on a été le chercher et ça, ça fait plaisir. Des bisous, mon cher YouTube, à la prochaine. Pour plus d'aventures pour le mini, pour le mini, non, pour le grand prix à venir. Grand prix d'âme, dans la prochaine VOD. Des bisous, mon cher YouTube.